bonsoir à toutes et à tous, et on se retrouve ce soir pour un petit peu plus de EU4 avec Damné en multi. Bonsoir Damné. Bonsoir tout le monde. Et donc on venait de mettre une petite fessée, une petite fessounette, il faut le dire. Voilà, c'est cela, où tout va bien. C'est pour Ming, ça. Et à son content. Enfoiré d'allié, tout neuf. Ouais, salaud. Et du coup, il fallait qu'on regarde un peu les opportunités. Donc moi, je rapatrie mes troupes, hein, ils vont mettre un peu 100 ans à revenir, malheureusement, mais bon, c'est la vie. C'est ça. Allez. on va tenter de la vitesse 3 un peu, parce qu'il ne va pas se passer grand-chose. Alors, Transoxian se retire de la coalition, ça c'est parfait. On n'a pas de mariage royal avec lui, donc on va le faire. Hormuz s'est retiré de la coalition, parfait. La coalition commence à dégager chez moi, ça fait plaisir. Donc le mariage royal avec le Khmer, on va le refaire. Ça me paraît plutôt une bonne idée. Ouais, je pense. Hein. Bon, par contre, ma nouvelle reine, 2-0-1, merci. J'espère pour toi que du coup elle sera jamais utile. Alors, on peut faire des revendications sur Jaunepour avec notre méga réseau. On peut calomnier ses marchands. C'est parti. Hop là. On va lui calomnier un peu la tronche, puis on va rapatrier. Alors par contre Hormuz, du coup, j'avais plus de revendications sur lui, et ça c'était quand même la tristesse. On va en faire une sur Bella. Ah, je peux monter à 161 troupes, ok. Je vais regarder un petit peu. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Moi de toute façon mes troupes pour l'instant... ouais, je suis à 3000 de réserve, il m'en manque encore 14000. Voilà, conformer un... C'est vrai que, merci pour l'astuce, du conformer un modèle, c'est très pratique. Ah bah ouais, carrément. Ici on est trop nombreux par contre. On va détacher. Par contre des fois ça bug un peu, il détache des armées de zéro, ça c'est un peu chiant. Ah bah ça. Ouais, faudrait peut-être que j'aille mettre des hommes au Bengale. Attends, je mets pause parce que du coup à force de faire chier le monde là le régiment il est en train de me faire prendre de l'attrition pour que dalle. C'est un peu triste, surtout vu l'état de mes réserves, donc on va vite bouger ses troupes, s'il vous plaît. Tu vois, la deuxième bonne raison, j'ai bien fait de demander final, enfin j'ai bien fait, un peu, voilà, je sais pas si j'ai bien fait, c'est un grand mot, d'accord, mariage royal rompu. Ouais, mon mec vient de mourir. Ouais, c'est ça. Alors, 2, 3, 4, c'est pas mal. Ouais, donc je disais rapidement, pour finir ma phrase quand même, ouais, l'avantage que j'ai fait... prendre une alliance avec l'Arakan, c'est que de toute façon, au moins l'avantage, c'est que je peux lui demander un accès militaire, ça ne me coûte pas que l'accès militaire. Au passage, j'ai une alliance avec lui, parce que du coup, c'est bien pratique pour traverser et aller sur mon territoire quand même, de l'autre côté. Ouais, c'est clair. Ah oui, c'est clair. Bon, il se sent pas bien avec le Ming, il est rival avec le Jaunepour, avec un peu de confiance et de faveur, il rejoindra peut-être les prochaines fois. Sinon, jusqu'au jour où, hein. Bah, toi, ta reine est potable, hein. Sag MacMer, 3-6-1, ça va. Ah, voilà. Moi, je sais fournir des reines. Bon, par contre, mon héritier avait 56 ans, donc du coup, mon nouveau roi a 56 ans, il risque de décéder assez vite. Moi, j'étais en train aussi d'essayer de vassaliser Assam, donc du coup, on va en profiter. Maintenant qu'il n'y a plus personne qui est en guerre. Oh non, mon héritier, il est veule. Il va prendre le pouvoir super vite et il est veule, quoi. Je suis super déçu. Il me faut un autre truc à upgrader. J'ai vu un truc à 38, c'était où, là? C'est ça. Hop. Alors, mariage royal de Marwar, oui. Mariage royal colonie de Diapas, d'Écosse, oui. Relevé du Canada. Colonie d'Écosse. What? Mais que Nova Scotia. Ah, c'est marrant comme ça s'appelle la colonie en Amérique du Nord. Nova Scotia. Ah mais oui, je vois l'Amérique du Nord. C'est la fête. Eh oui. Nova Scotia, côte, quoi. C'est à moitié espagnol comme nom. Pour désigner des Anglais, c'est marrant. Enfin, ou non, c'est plutôt... non, c'est pas espagnol, c'est... je le vois pas. Plutôt latin. Ah ouais, il est bien posé, le Ming, effectivement. Ah bah ouais. Je le vois pas, le Nova Scotia. Il s'appelle Nova Scotia. Je vois juste la côte, moi. Tu sais où il est? Il est là où la Norvège est arrivée dans la partie contre les Iroquois, là. Tu sais la petite île? Oui, tout en haut, là. Ah oui, moi, ouais, j'en suis très très loin, là, de voir ça. Moi, je le vois. Alors, après...
Le John Pour m'a insulté. Ouais, non, bon, on va faire pareil. À 65%, je peux prendre la tech, quoi. Même si le John Pour l'a prise, ça va aller. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Dana, la générosité. Distribuons nos gains aux pauvres. Ah oui, d'ailleurs, mon karma, c'en est où ? Parce que j'ai dû regagner, là, avec la guerre, oui. Ouais, on va gagner du karma. On distribue nos gains aux pauvres gens. Envoyez des insultes. Il y aura des insultes au Ming après. C'est qui les rivaux ? Jaune Pour, Ming et Ottoman. Ah oui, j'avais choisi des rivaux gentils, quoi. Allez, on va insulter le Jaune Pour, t'as raison. Piètre récolte, merde. À 32 000 rebelles, on va le faire. Attends, le Biapas m'a insulté, mais on est potes, Biapas. What? Pourquoi tu m'as insulté? J'ai dû louper un truc. Ouais, ça va le faire. Ça, non, c'est pourri. Ça, non, c'est pourri. Toi, tu serais bien sûr super heureux de devenir mon vassal, mais oui. Voilà. Assam devient mon vassal. Alors, ce qu'on va peut-être faire direct, c'est lui coller une ambassade du Kedah. Oui, viens, Kedah. Il a 0% de liberté, donc on va lui imposer la religion comme des gros connards. Voilà, ça c'est fait. Marwar, on va aussi lui imposer la religion, parce qu'on va pas les intégrer tout de suite, ceux-là. Donc c'est pas un problème. j'ai trop de points. Bordel. Ouais, 60% à la tech, ça pique de prendre ça à 60% quand même. Tu m'étonnes. C'est quand la prochaine doctrine ? Ah bah c'est le prochain. La prochaine tech, c'est la prochaine doctrine. Bah non, on va prendre du mercantilisme. Hein. On est plutôt du genre... Genre à faire des répressions implacables, tout ça quoi. Genre renforcer le gouvernement. Hop. J'ai 82 d'absolutisme quand même. Ça fait bien plaisir par où ça passe. Ouais, quand même. Je suis presque à mon maximum d'ailleurs. Je sais pas trop comment je pourrais le monter ça. Valeur de base, légitimité, grande puissance, unité religieuse. Ah oui, je pourrais aussi prendre une nouvelle culture. Bon, on va faire ça. Mais d'accord, le Tibet est en guerre contre les Warat et Yarkand et il est en train de perdre. Ouais, il se fait défoncer. Bah en même temps, enfin voilà, hein, c'est des grosses provinces, mais c'est de la merde, hein. Je pense que... Ouais, ça. En termes de puissance, à mon avis, c'est pas ouf, quoi. Où est-ce qu'ils ont des revendications, mes alliés? Tout ça, il a revendiqué, c'est très bien. Toi, tu revendiques des trucs? Oui, tu revendiques des trucs. Et toi, tu revendiques des trucs. Bon, on est à 9000 de réserve. C'est pas la teuf. Va falloir qu'on travaille là-dessus. Ici, on va se regrouper. Ici. Hop, j'enlève la pause. On a du blé à plus quoi savoir en foutre. Bah, tu m'étonnes, t'as eu un bon bonus. Ah oui, non, mais ça, fin, ça fait longtemps que c'est dépensé, ça. Je suis déjà remonté à 1500, là. Ah oui, oh putain. Oh la vache. Je gagne 61 par mois. Ah ouais, bien. Ah bah, quand tu vires les édits, ça aide, hein, tout de suite. Mais oui, les édits, merci. C'est ça. Ici, on a détaché des trucs. Ah oui, on a complètement détaché des trucs, pointez-vous. Ah, et puis c'est des zones assez riches, hein, ici. Hein. Bah ouais, mine de rien, l'Asie, l'encens, les pierres précieuses, le cuivre et tout, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Bon, il me faudrait un fort en haut, là. Un fort ici, c'est quoi comme terrain, ça? Terre aride. Bon, ça y est, Kedah est redescendu en dessous. Ouais. Et 50%, je vais pouvoir l'annexer.
Ouah, papa, c'est quoi ça? Importation de denrées pour combattre la famine. Bordel. Alors, on peut payer pour importer des trucs et perdre en mercantilisme. Ou on peut refuser agitation dans le pays pendant 5 ans et gain de 1 en mercantilisme. Nous devons rester autosuffisants, même si ce n'est pas le cas. J'aime ce concept. Que ceux qui pensent que nous ne sommes pas autosuffisants viennent me voir, tiens. Voilà, on va voir comment ça se passe. Alors, toi t'es dans la coalition contre nous. On pourrait prendre ça, t'es allié à Transoxian, il y a le Bengale et l'Afghanistan qui sont dans la coalition, ok. On peut investir dans une nouvelle technologie. Bah ouais, enfin sauf que voilà quoi. À 50%, ça me fait quand même un peu chier. Bon, en même temps, j'ai plein de points et ça va me faire gagner plein d'innovations et ça va me débloquer une doctrine. Allez. Allez, je fais. Je prends la tech militaire aussi. Voilà. Des fois, il faut montrer qu'on a de l'avance. Et on peut prendre une nouvelle doctrine. Alors, on est à la bourse sur les doctrines administratives. Comment sont nos dirigeants? Ouais, ils sont pas top en administratif, hein. Ça m'envoie pas du rêve. Diplomatique. Ouais, diplomatique, bof. Espionnage, bof. Administrative, non, c'est pas du tout le thème. Bon, économique, hein, ça reste intéressant. Roi et ouais. Machiavélique, bah, c'est bien. C'est positif ça? Ouais, du coup, constitution de réseau d'espionnage plus 30%. Donc oui. J'avoue. Je sais pas quoi prendre comme doctrine, du coup. Peut-être une militaire encore, mais bon, c'est un peu brutal quand même. Ah, une doctrine offensive. Ouais, allez, on va prendre les doctrines offensives, tiens. Allez, hop. Parce qu'on a quand même un petit peu d'avance en militaire, on peut se permettre. Alors, Mousse, tu fais moi le malin avec ton avance technologique, là, hein. Ah, cool. J'ai un commandant qui a gagné 2 de mouvement. Ouais, oh, va vite l'annexion de Kedah, c'est pour bientôt, là. J'ai à 85%, ça va aller vite. Il me faut 1090 pour améliorer mes 37 vaisseaux de guerre. Enfin, de guerre et de transport. Ah merde, on a été repéré à Hormuz, j'avais pas fait gaffe. Bah du coup, reviens. On va mettre un mec à s'occuper des dépendances. Alors, qu'est-ce que j'ai mené à bien conquérir de nouveaux états? Bon, ok. Réunir une armée aussi. Ils font du bon taf, mais... Ah ouais, en fait, j'ai fini carrément la branche génie des missions. Réunir une armée menée à bien. C'est quoi ça? 50 points de tout. Bon, bah ça y est. J'ai fini toutes mes missions. Accepter son annexion. Ok, ok. Allez. J'ai fini toute la première branche des missions pour une armée là. Ça s'est tout débloqué d'un coup. Bien joué. Moi faut bah, que j'acquire des états, mais oui, après je pense que voilà, une armée au moins équivalente à 80 000 c'est bon. Et toutes les provinces de la région de Coromandel appartiennent à Ceylan, c'est bien quoi. Et le reste, enfin ça, c'est... pour l'instant je trouve que les missions sont sympas, mais elles sont vraiment très orientées début de partie quoi. Ouais, ouais. Je sais pas trop si. Je sais pas dire si je les apprécie ou pas en fait. Ouais, je suis comme toi. Hein. Je suis. Finalement, le nouveau système. Ouais. Bah, voilà, disons quoi. Que ça guide pas mal, voilà, mais enfin, tu vois, typiquement, cet endroit outre-mer, enfin. Voilà ouais. Quoi, enfin. Moi là où ouais, je suis, ouais, cet endroit outre-mer, ça fait juste chier quoi. Ouais. Disons que par rapport à ce qu'ils ont voulu en faire. Ouais, je suis un peu sceptique comme toi et je suis pas sûr que ce soit un gros gain quoi.
Après. Ouais, je sais pas trop dire non plus. Je suis assez dubitatif. Allez, en attendant, on va investir dans un fort. Puisque dépenser de l'argent, ça fait toujours bien quand on est dubitatif. On peut faire des hôtels de ville, c'est de la merde. On peut faire des bourses, ça par contre, je pense que c'est pas du tout de la merde. En plus, ça coûte que dalle. On va en faire un max, voilà. Bon, bah, c'est un épisode un petit peu plus calme. D'ailleurs, ça vaudrait peut-être même le coup de passer en vitesse 3, je sais pas ce que t'en penses. On y était en fait, je viens juste de réduire. Il y a 2-3 minutes parce que j'ai eu des événements en fait qui sont apparus et. Autant pour moi. Et bah voilà, perte de 1 corruption, c'est le bon événement ça. Voilà. Ça on peut repasser à plus 50. Au niveau des troupes, on est à combien? 136 sur 171. Mon dieu quoi. Malheureusement, j'ai pas assez de réserve pour recruter un régiment, mais je vais pouvoir me rajouter un petit régiment là. Et au niveau des bateaux, on est comment au niveau des bateaux? Au niveau des bateaux, on est au taquet. On peut pas faire mieux. Bah, si on faisait des bateaux, des trucs pour avoir plus de troupes. Non, plus de troupes, non. Ah, mais non, mais j'économisais pour améliorer mes bateaux, c'est vrai. C'est tellement agréable de se dire que voilà, je viens de dépenser 2000 boules et dans 2 mois, j'ai de nouveau assez pour upgrader mes bateaux que j'avais oublié quoi. Ah, c'est pas mal ça, hein. Accès militaire de la Transoxiane, non. Mariage royal du Yarkand, oui. Tu vas te démerder, Transoxiane, j'ai envie de dire. Même mon marchand qui était tout bidon à ramasser une somme misérable dans le golfe d'Aden, et ben maintenant il ramasse un petit peu plus. A savoir 0,12 au lieu de 0,2. C'est déjà pas mal. Bah, c'est déjà bien. Moi, sur mes 6 marchands, le plus faible est à 0,98. Ouais, bah moi c'est ça, c'est le 7ème marchand que je savais pas où mettre. Sinon, après, c'est 4,94, 5,12, 7,31, 20,52 et 26,55. Je le dis parce que les gens le voient pas forcément. Bah moi ça reste le Bengale le plus rentable, hein, clairement. Y'a combien dans le Bengale toi? J'ai que 56%, mais j'ai tous mes bateaux qui sont là parce que bah c'est là qui me rapporte un max quoi. Ah bah. Même Ceylan, ça me rapporte rien à côté. Enfin, ça me rapporte rien d'y envoyer mes bateaux, c'est le nœud qui me rapporte le plus bien sûr. Mais... Ouais. Mais au Bengale, j'envoie 21 vers Ceylan quoi. Ah oui. Et à Ceylan d'ailleurs je récolte combien? Putain, je reçois presque 60. 59,75. Sur Ceylan. Ça va. Ça fait plaisir. M'étonne. Demande yéménite pour les produits ceylanais. C'est excellent. 10 de loyauté des marchands, production plus 5. Pas de soucis. Oh non, notre reine a moru. Khmer, file-moi une autre reine. Ah bah non, tiens, ça va pas briser les liens. Bon bah... Du coup, tant mieux. Je suis désolé pour elle, mais... Le Tibet me demande un accès militaire. Il est en guerre contre Transoxiane, Mongol, Warat, Yarkand, Bengal, Jaunpur. Ouais, je l'ai refusé plusieurs fois. Enfin, j'ai refusé plusieurs fois tous ceux qui sont en guerre, là. Du coup, il doit se tourner vers toi pour faire le tour, j'imagine. Je vais accepter, moi, si ça lui fait plaisir. Alors, le Bengal est en guerre et il s'est retiré de la coalition contre moi. Youhuhuhuhu. Non, on n'a pas de réserve. Sois raisonnable. Sois raisonnable. Faut que je sois raisonnable. Alors, 10 en karma, 10 en prestige. On en est où au niveau de karma? On est à 15. On peut se permettre d'en gagner un peu puisqu'on va sûrement en perdre. Ah bah voilà, coup de l'infanterie moins 10%, coup de la cavalerie moins 10%. Ah bah ouais, non, je suis désolé pour les bateaux, mais c'est le moment de recruter des troupes. À un endroit où on peut mettre 34 000 hommes. What? Stop! Qu'est-ce qui se passe? Anticléricalisme. Alors, on peut forcer les bourgeois à payer.
Ou alors, on dit aux nobles, on dit aux ordres d'aller se faire voir. Non, on va forcer les bourgeois à payer. Ça va, hein. Gagner 1600, gagner 600, je suis pas contre. Je suis pas contre l'idée. Non, tu m'étonnes. J'ai fait la même chose d'ailleurs. Du coup, on va recruter un régiment ici et on va avoir presque assez pour en plus upgrader les bateaux. Ah, qui c'est qui est mort? Mon diplomate. Bon, on va en trouver un autre. Bah, y'a des gens qui gueulent. Bah, les gens. Bah, non, faut pas gueuler. Bah, non, mais quand même. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hop là, pardon, un petit mouchage de nez qui s'imposait. Ah, bon, ça va, t'en auras pas fait trop quand même ce soir. Non, non, mais j'espère bien être surtout guéri assez vite, parce que c'est un peu chiant. Ouais, surtout, bah, c'est souvent ça, cette période. Malheureusement. Ouais, bah, il fait beau et tout, et puis tu te dis, tu te méfies pas, puis là, tu te fais une nuit où tu dors pas, après tu sors, et bah, c'est le drame. Voilà, c'est le drame, c'est ça. Ça va, t'as ta voix. Ah, le jaune pour. Alors, qu'est-ce que ça s'appelle comment là-bas? Augmenter la l'agitation. Floride. La Floride est française. Alors, est-ce qu'on pourrait pas attaquer des gens? Oh, bah je vois les Cherokees et les Iroquois. Ils sont pas morts. Non, mais ils ont pas beaucoup bougé. C'est quasiment la même chose que depuis le début. Ah bah je me doute qu'ils ont pas dû, ouais. Sans, c'est pas un humain qui fait le taf à mon avis. Ah ouais, non, c'est autre chose. Nagora soutient l'indépendance du Marwar. Bah Nagora, mais tu vas disparaître. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu ne soutiendras plus l'indépendance après comme ça. Alors, une petite guerre contre le Jaunepour et la Transoxiane. C'est une bonne idée ou pas? Le Jaunepour, est-ce qu'il s'est remis de la guerre le Jaunepour? Je vais aller voir, tiens. Où est-ce qu'on a de la place? Ouais, on commence à avoir quand même des provinces pas dégueux. C'est toi qui... Non, c'est... Tu t'es convoqué dans une guerre ou... Ah non, j'envisageais. Il est toujours allié avec le Ming, hein. Fais gaffe. Hein. Ah oui, non, mais là j'attaque un de ses alliés. Donc il viendrait, mais le Ming viendrait. Faut pas l'appeler en co... Non. Il a zéro réserve, 70 000 hommes, on va juste le défoncer. Je comprends même pas bien, pourquoi ça. Il vient. Ça va l'affaiblir, c'est bien. La Transoxiane, 76 000 de réserve, 76 000 hommes. Oh là là, mais les mecs, mais... Mais vous n'êtes pas sérieux? Mais quand même. Mais c'est une honte d'être aussi faible. La Russie est grande, hein, par contre. On en est où niveau commandant? On a droit à un autre commandant. On a combien de traditions? On a 68 de traditions terrestres. Ah bah on va claquer un peu de points. Hein. Y'a pas de soucis. Ah oui, j'en ai la moitié. Hop là, voilà, un petit général 2 étoiles, c'est cadeau, ça fait plaisir. Bon, les réserves, c'est quand même un peu le drame. Ouais, je sais pas si c'est sérieux quand même. On va prendre des petits bâtiments à réserve là. Enfin, en même temps, rien qu'avec mes armées, je peux le défoncer. Fin... Transoxiane, il est pas trop dans le mal. Hein. Il est en train de gagner sa guerre. Non, mais je suis désolé, hein, le mec il soutient l'indépendance de mon vassal. Enfin voilà, je vais le bouffer, puis je vais le donner à mon vassal. C'est propre. C'est ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça propre. Hein. Bah ouais. Alors après avec qui il est allié? Ouais non, Transoxiane et Jaunepour, donc vaut mieux que j'attaque lui pour emmener Transoxiane et Jaunepour plutôt que quoi que ce soit d'autre. Veux-tu venir? Oui. Quoi? Ouais, avec tes 40 000 hommes près du Jaunepour là. Ah ouais, grave. Bon bah écoute, tu vas perdre mon chaud. C'est parti alors. Bon, il nous reste 5 secondes d'épisode d'après le timer, donc on va peut-être le faire dans le prochain. C'est ça. Ah, puis on va prendre un plus 1 en choc de commandant terrestre juste avant la guerre, parce que ça fait plaisir. Bah ouais. Et on va du coup s'arrêter là.
Bon, bah, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. On commence à être plutôt bien, hein, je pense. Il n'y a plus trop d'opposition possible pour l'instant. On va voir si Transoxiane et Jaunepour arrivent à nous repousser, mais j'ai quelques doutes. Enfin, cela dit, ouais. Sur quelques mauvais mouvements, ça peut toujours se passer. Hein. Ne nous emballons pas. C'est vrai, mais bon. Mais du coup, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire si ça vous a plu, à nous mettre un petit j'aime si ça vous a plu également, ça aide à avoir une meilleure visibilité sur la chaîne, ce qui est toujours agréable. Et puis, on vous dit à la prochaine fois pour la suite. À la prochaine, merci à tous. Merci à toutes et à tous.